est heureux d'être ici pour la reprise du marché de Saint-Victor sur une formule qui est dans la continuité, mais où il y a aussi des nouveautés avec la partie pour les enfants dans le jardin commandant Lamy, une guinguette et puis tous les producteurs locaux qui ont fait le succès de ce marché. Là, on présente notre huile d'olive et nos vins. Donc on a une approche tout en nature, c'est-à-dire très peu de traitements, pas de produits utilisés pour la vinification. On travaille des confitures fruits-fleurs. La plupart des fruits viennent de chez nous, de Château-Gombert, sur le massif de l'Étoile. Je cultive des fleurs à Sainte-Marthe. J'ai monté une ferme florale qui s'appelle Fleur Soleil. Nous, c'est la boulangerie Fernand Bakerie, rue de Lodi. Aujourd'hui, c'est notre premier marché, donc à Saint-Victor. On est super contents d'être là. L'an dernier, à la même époque, j'ai fait ce marché et je l'ai fait avant d'avoir ma boutique. Et là, je le refais en ayant ma boutique. Une super bonne ambiance entre paysans, artisans sur Saint-Victor. J'ai une conserverie de légumes lacto-fermentés, une conserverie donc solidaire. Je fais aussi des kéfirs, de l'ail noir. Je suis artisane. On aime beaucoup la convivialité qu'on retrouve ici, l'échange avec les autres producteurs, artisans. Et c'est toujours un bon moment qu'on passe ici. Nous, on fait des sardines et du poisson. C'est mon premier marché à Saint-Victor. L'ambiance est assez sympa. Je découvre avec plaisir qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Nous, on est hyper contents d'être arrivés ici, de pouvoir reprendre avec les anciens producteurs, les anciens restaurateurs. Et on est assez fiers de pouvoir fédérer autant de personnes dans le quartier. Donc, j'ai fait aussi mes petites courses et j'invite tout le monde, évidemment, à en faire autant.